بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين Inch'Allah Ta'ala, nous continuons dans l'explication du mukhtasar de l'imam Al-Quduri, Nous sommes arrivés à la, au chapitre au sujet de celui à qui il est permis de donner la zakah ou l'aumône et pour qui il n'est pas permis de donner la zakah. Alors le Sheikh Al-Quduri dit, euh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dit certes les aumônes sont exclusivement destinés aux pauvres et aux, misèreux, aux miséreux al cest c'est-à-dire que ici le cheikh al-Quduri mentionne une partie de la le cheikh al-Quduri dit taala al cest c'est-à-dire qu'il cite une partie de la ayah il cite une partie de la ayah c'est à dire que le verset en général ça veut dire que celui qui explique le livre il lit lui la ayah en entier innama sadaqatu lil fukara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina wa fis sabilillah donc, le sens de ce verset en entier est que les aumônes sont exclusivement destinées aux pauvres, aux miséreux, à ceux qui les collectent, à ceux dont les cœurs sont à raffermir, aux esclaves, aux endettés, aux combattants bénévoles dans le sentier d'Allah, euh, aux voyageurs. Et elles sont une obligation imposée par Allah. Allah Ta'ala, il est savant, il est Hakim. Donc, il y a dans cette ayah, ceux pour qui euh, les catégories les ayant droit à la zakah. Donc, le Cheikh Al-Quduri, même si c'est un moukhtasar, comme on a vu dans certaines, euh, certains sujets, Auparavant, dans le chapitre de la purification, par exemple, d'habitude dans les moutons, euh, les, les, les savants ne mentionnent pas textuellement, ne mentionnent pas spécifiquement euh, des, preuves, des preuves. Mais ça arrive. Donc là, on, 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 par exemple, le Sheikh Al-Quduri introduit le chapitre pour qui il est euh, permis de donner la zakah et pour qui il ne l'est pas. Il l'a introduit par la ayah. Ensuite, il dit euh, « Par conséquent, cela donne huit catégories, mais la catégorie des gens dont le cœur sont à raffermir, n'est plus présente, car Allah a renforcé l'islam, qui n'a plus besoin d'eux. » Non, c'est-à-dire que comme on va l'expliquer, ou comme tout d'abord, le, le Cheikh al quduri commence tout d'abord à mentionner la ayah dans laquelle il y a les ayants droit à la zakah, puis il mentionne une des catégories qui actuellement, ou même euh, au temps de, de l'auteur, euh, cette catégorie on ne donnait plus. Puis après il, détaille, il va détailler, il va venir à détailler les autres catégories. Donc il, il commence tout d'abord à citer al qulubuhum »« ceux dont le cœur est à raffermir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wasallam, euh, il donnait de l'argent de la zakat euh, à certains qui étaient nouveaux dans la religion. Qui avait peut-être encore une euh, foi qui n'était pas encore très forte. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait à certains dignitaires non musulmans afin qu'ils rentrent en islam. Comme les Hanafites l'ont dit, il y a plusieurs définitions du point de vue des mu'allafatu ceux dont le cœur est à raffermir. Mais, comme il le mentionne, Actuellement, cette catégorie n'est plus présente, comme il va l'expliquer, comme il va l'expliquer, comme, ou comme il l'a expliqué, en disant qu'Allah a renforcé l'islam, qui n'a plus besoin d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un temps où ceux qui sont nouveaux dans l'islam, alors on leur donne de la zakat. Pourquoi Pour que leur foi se renforce et qu'ils soient plus à même à défendre l'islam et à faire que l'islam se... se se renforce et se propage. Allah Ta'ala a honoré et a renforcé l'islam. Actuellement, c'est pour cela que par la suite, ce jugement-là, il est tombé. C'est-à-dire qu'on ne donne plus à cette catégorie-là. Pourquoi Parce que l'islam a été renforcé et maintenant, on n'a plus besoin de donner. Et ça, c'est l'explication donc des Hanafis. Selon d'autres savants, comme les Shafiriya, ils n'ont pas mentionné cela. Quelqu'un... Selon eux, chez eux, dans les règles du fir Ferry, celui qui est nouveau converti, il peut prendre l'argent de la zakat. Mais attention Pourquoi on dit attention Parce que si on veut donner la zakat à un nouveau converti, alors il faut lui donner pour qu'elle soit euh, de sorte à ce qu'elle soit valable, selon l'imam Cheikh Ferry. Et on, comme on verra, ou comme on l'a vu, souvent, en réalité, on donne la zakat, euh, notamment, la zakat al-fitr, sadaqat al-fitr, on la donne également selon l'imam Abu Hanifa. Lorsqu'on la donne du point de vue de la valeur, comme on va le voir, ou ta'ala. Donc ensuite, il commence à citer les catégories, euh, les autres catégories, donc, de, parmi lesquelles ont été citées, pour qui on peut donner la zakat. Le pauvre, donc, il a dit al-faqir. La définition du pauvre est celui qui possède peu de biens. C'est-à-dire que chez les hanafi le faqir euh, il est dans un meilleur état que le miskin. Le faqir il est dans un meilleur état, c'est-à-dire du point de vue de la pauvreté. Il est moins pauvre, si on veut, il est moins pauvre que le miskin. Le miskin, il est plus pauvre que le faqir. Donc, le pauvre est celui qui euh, possède peu de biens. Quant au miskin, c'est celui qui n'a rien du tout, il ne possède rien. On pourrait dire quelle est l'utilité de. Différencier le pauvre du miskin, si les deux ils ont le droit à la zakah, si les deux ils ont droit à la zaka ou à prendre la, la sadaqatul fitr, l'aumône du, du, du fin de jeûne, on pourrait dire quelle est l'utilité dans le fait de différencier entre le pauvre et le miséreux. Alors en fait, en réalité, la différence, on ne va pas la voir dans le chapitre de la zakat elle-même. Mais plutôt dans le chapitre des auqaf, des waqf, des biens dédiés, ou dans le chapitre des alwasiya du testament, par exemple. Pour citer un petit exemple là-dessus, euh, si quelqu'un dit voilà, je, il construit une maison, il dit cette maison là, cette maison là, c'est pour euh, c'est pour que el miskin puisse habiter dedans. Alors, dans ce cas-là, c'est la définition de El Miskin qui sera concernée et pas la, de ceux qui, sont, qui rentrent dans la définition de El Fakir, puisque le Fakir est dans un meilleur état du point de vue de ce qu'il possède par rapport au Miskin. C'est dans ces sujets-là, avec euh, des détails, que on, voit, on voit où apparaît l'utilité dans le fait de distinguer où on voit la distinction entre le miséreux et le pauvre donc le miskin c'est le miséreux il est plus pauvre que le pauvre lui il ne possède rien ensuite il mentionne l'agent de collecte de la zaka c'est à dire celui qui est chargé par le gouverneur celui que euh, oui l'imam c'est à dire le gouverneur le imam c'est à dire le gouverneur celui qui est chargé de Collecter la zaka, où euh, il, est, il est chargé de. Euh, il, il, il recevra donc du, du gouverneur, de l'imam, une part de celle-ci, selon ce qu'il a effectué comme travail. Ici, c'est conditionné, selon ce qu'il a effectué comme travail. S'il est défini comme étant euh, chargé de collecter la zaka, mais il n'a rien fait, il ne va pas rentrer dans cette catégorie-là. Ici, ce qu'il a effectué, selon ce qu'il a effectué comme travail, ici c'est une condition dans ce sujet-là. Ensuite il dit euh, concernant également les esclaves, pour les, les esclaves, ce qui est voulu ici c'est El mukatabun comme il le mentionne, El Mukataboun, c'est-à-dire ceux qui ont conclu, comme on en a parlé dans le, certains cours précédents, ceux qui ont conclu un accord. Ou un contrat avec leur maître. Comme si par exemple le maître, il conclut un contrat de mokéatéb pour avec euh, avec son esclave euh, sur une année par exemple, et l'esclave il accepte cela avec l'acceptation que si il lui l'esclave lui réunit telle part d'argent, telle quantité d'argent euh, avant euh, telle échéance, alors il euh, devient libre. Alors lui il peut prendre la zakat. Donc, il a dit les moukataboun, parmi eux, seront aidés avec la zakat pour qu'ils puissent racheter leur liberté. Ensuite, il dit al-gharimun, euh, c'est-à-dire celui qui est euh, pauvre, est, pardon, pas celui qui est pauvre, celui qui est endetté, celui qui est couvert de dettes. Euh, L'endetté est celui qui doit quelque chose, ainsi le Quduri l'a défini, c'est-à-dire comme on l'a vu au début du chapitre de la zaka, il y a des détails quand la personne il est endettée de sorte que les, euh, ses dettes dépassent ses dépassent ce, biens ou sont supérieures à la majeure partie de ses biens. Alors ici, euh, si la personne il a une dette et sa dette, elle prend la globalité de ses biens elle couvre la totalité de ses biens ou elle couvre la plupart de ses biens de sorte que une fois la dette déduite il ne lui reste moins il lui reste moins que le seuil euh, alors lui il peut prendre de la zakat lui il peut prendre de la zakat Ensuite il dit wa fi c'est-à-dire les combattants bénévoles dans le sentier d'Allah, ceux qui sont les soldats, les combattants qui ne peuvent participer aux batailles à cause d'une pauvreté. Al Hanafiya ici, eux pour cette catégorie-là, comme la, l'a expliqué ou la euh, oui l Abu Yusuf Rahimahullah, c'est la vie authentifiée de l'école. C'est-à-dire ici Wa fi qu'est-ce qui est voulu? La vie favorisée, ce qui est authentifié, c'est la vie de Abu C'est-à-dire, c'est les combattants. Mais ceux qui sont pauvres et ont raison de, le pauvreté, de leur pauvreté ne peuvent pas participer. C'est ça qui est voulu donc euh, par les combattants bénévoles. Et sous cette définition-là, encore dans d'autres écoles, même si le combattant bénévole il est riche, euh, ils n'ont pas conditionné cela. Ils n'ont pas conditionné qu'il soit pauvre. Mais ici, sa pauvreté, comme il a mentionné, il l'empêche de participer au combat. Eux, en raison de leur pauvreté ils, ils n'arrivent pas à rejoindre les rangs par exemple des combattants non c'est ça qui est voulu euh, d'autres savants ils ont expliqué bien sûr avec des conditions avec des restrictions parce que comme on va le voir euh, ce n'est pas tout dans l'absolu tout acte de bienfaisance dans lequel on peut donner la zaka. parce que la zaka, pour pouvoir donner la zakha, il y a des conditions et on va les citer inshallah. Ensuite, il dit euh, le voyageur, c'est-à-dire celui qui possède des biens dans sa patrie, mais il se retrouve dans, une autre, dans un autre lieu où là, il ne possède rien. Alors lui, on lui donne de la Zakka. Pourquoi, pourquoi? Euh, C'est-à-dire on lui donne pour la quantité suffisante qu'il a besoin pour arriver chez lui. C'est ça qu'on va lui donner. On ne va pas aller au-delà de cela. On lui donne ce qu'il a besoin pour qu'il arrive jusque chez lui dans sa patrie. Ensuite, il dit Ceci est donc les catégories à qui la zaka est reversée. Par ailleurs, il dit ensuite Celui qui doit la zaka, celui qui la doit, peut en reverser une partie à chacune de ces catégories, tout comme. Il ne peut pas la donner, ou ne peut la, tout comme il ne peut la donner qu'à une seule parmi celles-ci. On a cité plusieurs catégories. Si la personne a une quantité de Zakat à donner, il peut donner à une seule de ces catégories, comme il peut donner à plusieurs de ces catégories, c'est-à-dire partager entre plusieurs de ces catégories. Une question utile qu'on m'a eu posée dernièrement est-ce que. Euh, il y a une quantité que l'on peut donner, à, par exemple, à un pauvre. Est-ce qu'il y a une quantité limite Est-ce qu'on peut lui donner euh, plus que ce qui le fait sortir de la pauvreté Alors, il y a dans cela euh, des avis chez les chanafias, mais... Euh, L'avis qui prévaut, c'est que on peut lui donner même ce qui va au-delà de sa pauvreté. Pour preuve, le, ce qui est rapporté dans le hadith du messager d'Allah, que lorsqu'un pauvre lui a demandé euh, l'aumône, euh, alors le prophète wa sallam, lui a donné euh, des, un troupeau de moutons qui remplissait une vallée. Ensuite, il dit, elle ne peut pas donc la zakah peut elle ne peut pas être versée à un vimi. Le vimi, c'est le c les gens du livre qui vivent en terre d'islam et qui ont fait le la jizya le contrat de protection. Donc la, la zakah on ne peut pas la donner à un, un vimi, c'est-à-dire un juif ou un chrétien qui vit en terre musulmane avec ce pacte, ni pour la construction d'une mosquée. Ni pour le linceul du mort, ni pour acheter un esclave pour l'affranchir. Enfin, il ne peut être reversé à un riche. Alors, euh, il y a plusieurs sujets ici. Donc, on a dit tout d'abord, on ne donne pas à un vimi, ça c'est clair. Ensuite, on a dit ni pour la construction d'une mosquée, ni pour le linceul du mort. Alors, on revient ici aux conditions de la zaka. Euh, pour donner la zaka ou pour que soit valable euh, celui qui prend la doit c'est-à-dire que le bien doit entrer en sa possession il doit y avoir possession de cet argent-là c'est pour ça que les savants ils différencient ils font une distinction entre la possession et autorisé euh, l'autorisation autori la, c'est-à-dire qu'il y a une différence si quelqu'un il prépare euh, à manger et puis il dit aux gens mangez de ce plat chacun il prend une part si il dit il, il met l'intention que ça c'est zakat, c'est pas valable pourquoi parce que c'est une ibaha ici c'est une autorisation seulement tandis que s'il prépare à manger et après il met dans, dans des boîtes et il donne à chacun d'entre eux et que après euh, il donne cela pour euh, pour une, pour une zakat par exemple, ou pour quelques, comme pour une sadaqat euh, al-fitr, et cette, cette, ce, ce, cette nourriture-là, elle a la, la valeur donc de, de la zakat al-fitr, euh, alors c'est valable, c'est valable. Pourquoi Parce que ce petit sac dans lequel il y a une portion de, 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 de blé, ou il y a une portion de, 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 de nourriture, etc., euh, elle va rentrer dans la possession de la personne donc at tamlik c'est une des conditions pour la zakat et celui est construire une mosquée le fait de donner de l'argent pour la construction d'une mosquée la mosquée ne possède pas l'argent l'argent ne rentre pas dans la possession de la mosquée non plus le mort le mort euh, le fait que l'on donne de la zakat pour le linceul du mort non plus ce cela, cela ne rentre pas dans la possession, dans sa possession, vu qu'il il est maintenant décédé. Lorsqu'il dit ni non, ni non plus pour acheter un esclave pour l'affranchir, ni non plus pour acheter un esclave pour l'affranchir. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici le sens de cela que si la personne veut acheter avec euh, l'argent de par, par l'argent de la zaka Par l'argent de la euh, Il veut acheter un, un esclave euh, afin de l'affranchir. C'est ça qui est donc voulu. Ensuite, il dit, on ne, non plus on ne la donne pas à quelqu'un qui est riche. Donc celui qui est euh, riche, celui qui a un seuil, comme on va l'expliquer après, alors il ne peut pas prendre la zakat. Pour cela, on peut citer ici, quand on parle de, euh, on, a, on ne la redonne pas à un riche, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est visé ici par euh, le, le riche c'est-à-dire toute personne qui possède un seuil, bien sûr avec les conditions que l'on a, a citées, si la personne possède un seuil sur les sujets que l'on a cités aussi par rapport au bétail, par rapport à l'argent métal ou l'or et ainsi de suite, et qu'une année, qu année s'est écoulée, écoulée selon les conditions que l'on a mentionnées, alors lui, il n'a pas le droit, de, lui, d'une part, il devra donner la zaka si, Lorsqu'il est considéré euh, comme remplissant les conditions pour donner la zaka, et non plus il n'a pas le droit de prendre de la zaka. C'est interdit pour lui qu'il prenne de la zaka. Ensuite, il mentionne que la zaka ne, ne peut pas être non plus donnée euh, à son père. Il ne peut pas donner la, la, la zakat à son père, ni à son grand-père et à son ascendance. C'est-à-dire, il ne peut pas donner à son père, ni à son grand-père, ni euh, au père de son grand-père, et ainsi de suite. Tout comme il ne peut pas lui donner la zakah à son enfant, ni à son petit-enfant, et ainsi de suite dans la descendance. C'est-à-dire, les enfants des enfants, etc. Il ne peut pas donner à son enfant, ni à son petit-fils ou à sa petite-fille, ni plus bas dans la descendance. De même, il ne peut pas la reverser à son épouse. Il ne peut pas non plus la reverser non plus à son épouse. Euh... Pourquoi il ne peut pas la reverser à, à son épouse parce que euh... il ne peut pas la donner à son épouse parce que. L'épouse, elle est à sa charge. L'épouse, elle est à sa charge. Même si ici, il euh, même si ici, il a, euh, le détail va venir après. Il ne peut pas la reverser à son épouse. Et la femme non plus ne peut pas la donner à son mari, selon Abu Hanifa. Et Abu Yusuf et Mohammed ont dit qu'il peut. Lui l'a donné. Euh, la vie qui est retenu, la vie qui prévaut, c'est celui de l'imam, c'est-à-dire que la zaka ne peut pas être versée de la part de l'épouse envers son mari. Et il ne peut pas non plus donner sa zaka à son esclave, Moukatab. On a dit, on peut donner à un esclave, Moukatab, mais le maître lui-même ne peut pas donner à son esclave, Moukatab. L'objectif de, de, de que l'esclave qui a fait ce contrat d'affranchissement, c'est que l'argent qu'il cumule, c'est pour le donner à son maître pour qu'il l'esclave, pour qu'il le pour qu'il pour qu'il qu devienne libre. Donc les savants, ils disent par exemple, c'est comme le fait qu'il sorte de sa main, de, il sorte l'argent de sa poche droite et il la met dans sa poche gauche. Pour cela, euh, il ne peut pas non plus donner la zakar à son esclave moukatab, ni à son esclave euh, mamelouk euh, parce que le, les biens de l'esclave sont les biens du propriétaire et, et non plus à l'esclave d'un enfant à l'esclave d'une personne riche à l'esclave d'une personne riche si l'esclave il est esclave, euh, esclave d'une personne pauvre alors ici on peut mais l'esclave d'une personne, ri personne riche on ne peut pas et l'enfant d'une personne riche non plus dès lors qu'il est petit dès lors qu'il est petit c'est-à-dire qu'il est en dessous de la puberté c'est ça qui est donc voulu et ensuite il dit que on ne peut pas non plus donner la zakah au banu hashim qui c'est banu hashim ils ont défini comme étant la famille de Ali, la famille de rabbas la famille de Ja'far, la famille de Aqil et la famille de Harith ibn Abdel Muttalib. Ainsi qu'à leurs esclaves affranchis. Non plus, on ne leur donne pas de la zakat Et Abu Hanifa, ainsi que l'imam Muhammad, ont dit s'il a donné la zakat à un homme en pensant qu'il est pauvre, puis que l'on se rend compte par la suite qu'il est riche, ou bien qu'il est hashimi, ou bien qu'il est mécréant, ou encore qu'il donne la zakat à un pauvre dans la pénombre, et qu'il se rend compte en Suisse, ensuite qu'il s'agissait de son père ou de son fils, alors il n'aura pas à la reverser à nouveau. Et l'imam Abu Youssef a dit, quant à lui, que cette personne devra donner cette somme à nouveau. Euh, la, vie, euh, la vie qui prévaut, c'est la vie de l'imam. C'est l'avis de l'imam, c'est-à-dire que l'avis qu'on a cité de l'imam et de l'imam euh, Abu Hanifa et de l'imam Muhammad, c'est-à-dire qu'il n'a pas à redonner, il n'a pas euh, l'obligation de la reverser à nouveau. En revanche, si il donne la zakat à une personne, puis qu'il apparaît par la suite qu'elle se trouve être son esclave ou son ce cela n'est pas valide selon leur avis en totalité. Pourquoi Parce que ici, le, le, les biens de cette personne-là d'entrée de, n'est pas sorti de sa possession. Pour cela, on dit c'est pas valable du fait que l'argent qu'il donne à son esclave, comme on a dit, euh, les biens de son esclave c'est ses biens, donc ils ne sont pas sortis de sa possession. Pour cela, ici il n'y a pas de divergence, c'est pas valable. Ensuite, il dit qu'il n'est pas permis de la donner, c'est-à-dire la zakat à celui qui possède le nisab. De n'importe quelle sorte de bien que ce soit. C'est-à-dire que si j'ai cinq chameaux, alors j'ai un issab. Si j'ai 200 dirhams, j'ai un issab. Si j'ai 20 dinars, j'ai un issab. À partir du moment où j'ai un issab, alors, de n'importe quelle sorte de bien, alors, euh, on n'a pas le droit de prendre la zakat. On peut, en revanche, on peut en revanche la donner à celui qui possède moins que cela, même s'il est en bonne santé et capable de travailler. Dès lors que la personne possède moins que le Nisab, alors on peut euh, prendre de la saccade. Ensuite, euh, il a dit il est blâmable. Il y a un déconseillé, un, un caractère karaha, un macrou. Euh, encore dans le caractère est-ce que c'est... Tanzihan, est-ce que c'est Tahriman Encore les savants, ils ont parlé de cela. Euh, il est blâmable de déplacer la zakat d'une région à une autre. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle euh, a eu lieu, elle est jaïz, euh, elle est valable, mais il com elle, est, elle comporte une karah. Elle comporte une karah. Et elle doit plutôt être versée à la population de la région. Où elle se situe sauf si la personne transfère cette zakka à des gens de sa famille par exemple ou à des gens qui sont encore plus dans le besoin que les gens de sa région ça c'est des cas où la personne il peut le faire et dans ce cas là il ne tombe pas dans le caractère blâmable par cela on termine le chapitre de euh, des ayants droit à la zakat. On commence maintenant, on commence inchallah le chapitre de la sadaqatul fitr. La l'aumône la, de rupture du jeûne. Alors le cheikh al-Qudourie dit que l'aumône de rupture de jeûne est obligatoire pour tout musulman libre. Alors il faut savoir aussi que dans la Zaka des biens, ou dans la Zaka qu'on a vu précédemment, et dans l'aumône de rupture du jeûne, il y a certains points communs, qui est pour que la Zaka soit obligatoire, ou pour que l'aumône soit obligatoire, comme il a mentionné, lorsqu'il possède le Nisab. En plus de son logement, ses vêtements, ses meubles de chez lui, son cheval, ses armes et ses esclaves qui le servent. Donc, cela concerne l'aumône, du rupture du jeûne, concerne aussi la zaka, les autres sortes de zaka. Mais il y a une différence du point de vue du seuil. Du point de vue du seuil. Du point de vue du, du, du montant du, du Nissab, il est, le même, il est le même. Mais il y a certaines, euh, certains cas ou certaines, euh, certains détails par rapport à ça. C'est-à-dire que pour que la zakka soit obligatoire, les que qu'on a mentionnés dans les cours précédents, on a mentionné que la personne que cela concerne certaines, certaines sortes de biens que l'on a mentionné et qu'il s'écoule sur elle une année. Ça, c'est une spécificité qu'il n'y a pas dans, le, dans, dans, cette, dans, dans la catégorie de euh, l'aumône du rupture du jeûne. C'est-à-dire que si la personne à euh, Le seuil, à le seuil comme on l'a mentionné, c'est pas une condition que ce seuil-là il soit des sortes de zakat qu'on a précédé, qu'on a cité, et c'est pas une condition non plus que s'écoule sur sur elle une année comme on l'a mentionné. C'est ça qui distingue ou qui différencie parmi les choses qui distingue, qui différencie entre l'aumône de rupture du jeûne et les autres sortes de zakat. Il a mentionné également sur le musulman qui est libre, il n'a pas cité qu'il soit pubère, parce qu'on va voir justement que dès lors que la personne a vécu après l'entrée euh, ou après l'apparition de l'aube du jour de l'fitter, alors euh, il y a la zakat qui est la, ou la sadaqat al-fitr, l'aumône de rupture du jeûne qui est obligatoire. C'est-à-dire que son père, il va donner pour ce nouveau-né. Donc, pour cela, ici, il n'a pas, pas cité, comme on l'a cité précédemment, le fait qu'il soit euh, pubère. Ensuite, il a dit qu'il possède le Nisab, qu'il possède donc le Nisab, comme on l'a mentionné. Euh, en plus, comme on l'a dit, de, ses, de son logement, de ses vêtements des meubles de sa maison, de son cheval, de ses armes et des esclaves qui le servent. Alors, il donnera de cette aumône pour sa propre personne, ainsi que pour ses enfants, sous la puberté, ainsi que ses serviteurs. Mais il n'est pas obligé de la sortir pour son épouse, ses enfants pubères, même si c'est lui qui s'occupe d'eux, ni de son esclave Moukatab ou ceux qui sont destinés au commerce. Alors, ici également, pour qui il donne la zakah Ou pour qui il donne l'aumône de l'fitr Les Hanafis citent plus souvent le terme sadaqatul fitr, plutôt que zakatul fitr, même si le sens est le même. Mais du point de vue de, de, des termes utilisés, le plus souvent, souvent c'est le terme sadaqatul fitr. Donc, l'aumône de l'fitr. L'aumône de l'fitr, pour qui il va donner, pour qui la personne doit donner, pour lui-même, pour lui-même, il donne aussi pour ses enfants. Mais quels enfants il parle, des, petits, des, des enfants petits, c'est-à-dire les, les enfants sous la puberté, ainsi que s'il a des esclaves à son service. Mais il n'est pas obligé de la sortir pour son épouse. Il n'est pas obligé de la sortir pour son épouse. Pourquoi Parce que pour que euh, la zakah ou l'aumône soit considérée comme obligatoire de, de, de la donner alors il y a deux conditions c'est à dire que il s'occupe d'eux il, 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 sub, il euh, subvient à leurs besoins en plus de cela qu'il a la gestion ou l'wilaya qu'on appelle c'est à dire euh, le la capacité de gérer ses biens. Et l'épouse, les biens qu'elle a, c'est ses biens. L'homme n'a pas le droit de gérer, n'a euh, pas un droit de gestion des biens de l'épouse. Pour cela, chez les Hanafiyah, euh, l'épouse, ce n'est pas obligatoire que l'homme donne pour elle. Maintenant, si l'homme a donné pour son épouse sans, son, sans sa permission, alors, euh, du point de vue de, 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 de l'istihsan, c'est une des euh, méthodologies dans la déduction du jugement, alors c'est valable. c'est valable. Pourquoi Parce que, comme on a dit précédemment, si la personne donne une zakah ou une aumône de l'fitr selon la valeur de cela, c'est valable. Mais c'est valable chez qui Chez Abu Hanifa est-ce que c'est valable chez Shafi'i ou chez Malik Ce n'est pas valable chez Shafi'i ou chez Malik. Donc, si la personne veut donner la sadaqatul fitr l'aumône euh, obligatoire, en donnant la valeur, il doit suivre les règles par rapport à l'école de l'imam Abu Hanifa. Si la personne avait pensé, parce que dans d'autres écoles, l'homme donne aussi pour son épouse, et lui, il a donné sans lui demander, parce qu'il n'a pas fait attention à cela, alors quand même, il y a des Hanafites qui ont dit... Euh, ça reste valable. Voilà. le cheikh al il l'a mentionné euh, parmi ces choses-là, d'autres que lui également dans d'autres livres. non plus euh, il a dit n'est pas obligé de la sortir pour son épouse ses enfants pubères. même si c'est lui qui s'occupe d'eux, la même raison, c'est lui qui s'occupe d'eux. mais ces enfants-là, ils sont pubères, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent leur propre bien. Le, 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 le père n'a pas le droit de rentrer dans la gestion, dans les biens de l'enfant. Donc aussi pour cela, il n'y a pas de zakah obligatoire ou d'aumône al-fitr obligatoire sur le père. Ni de son esclave ou l'esclave qui est destiné dans le commerce. Ensuite, il mentionne qu'aucun des deux associés n'aura à payer de fitra, c'est-à-dire al-fitra ici, bien sûr, c'est l'aumône de rupture, ce qu'on veut dire par là, l'aumône de rupture, pour un esclave qui appartiendrait à ces deux. Également, pourquoi Parce qu'il n'y a pas ici une possession complète de la part des deux. Si deux euh, musulmans ont acheté, ils sont associés euh, dans, 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 un, dans un seul esclave, alors il n'y aura pas de fitra, de sadaqatul fitr, à payer pour cet esclave-là, qui appartient à ces deux, parce que aucun des deux n'a une possession complète. Ensuite, il dit que le maître musulman devra sortir la fitra pour son esclave qui n'est pas musulman. Ça revient aux règles que l'on a mentionnées. Ici, ce n'est pas la question qu'il est musulman ou il n'est pas musulman. La question ici, c'est que cet esclave-là, bien qu'il soit qui n'est pas musulman, il, il rentre sous la charge de son maître et c'est le maître qui a la gestion de ses biens. Et c'est ça qui fait ici que la Zaka ou la al-fitr, euh, elle est obligatoire. Il devra la sortir pour son esclave, même s'il n'est pas musulman. À quoi correspond cette fitra Alors, cette fitra correspond à un demi sard de blé ou un sard de date, ou un sard de raisin sec ou d'orge. Et le sard correspond, selon les imams Abu Hanifa et Muhammad, à 8 rital irakiens. C'est une unité de mesure selon Abu Youssef. Il correspond à 5,33. Rizl. Et un sort de blé correspond à euh, entre 3,2 et 3,6 kg de blé selon les différentes estimations. Bien sûr, dans cela, il y a beaucoup de savants, beaucoup de euh, paroles qui ont été dites par les savants, même certains savants. Ils ont dit le sort de blé c'est euh, 4 kg. Kilos, 4 kilos. Euh, dès lors, le demi sort correspond, le demi-sar correspond à 2 kg environ. Bien sûr, il y a plusieurs calculs. Si la personne constate des différences dans l'estimation, il y a des calculs qui sont faits et qui sont basés euh, sur, des, sur des données et des références que les hanafites ont utilisées. Maintenant, pourquoi il mentionne euh, mentionnent un demi sard de blé et ensuite il mentionne un sard de date? Pourquoi Parce que euh, il considère que le, le blé il est consommé dans sa totalité. Donc on donne un demi sard Tandis que les dates, on en consomme une moitié et on en jette une autre, qui est les noyaux, qui sont les noyaux. Pour cela, on dit un sar de date. Euh, ensuite, quand est-ce qu'il y a l'obligation de la sadaqatul fitr, la fitra Quand est-ce qu'il y a l'obligation Au moment du lever de l'aube du jour de la fête de rupture. C'est-à-dire celui qui a vécu une partie, c'est-à-dire qui a vécu au moment du lever de l'aube, du jour de la fête de rupture alors il devra euh, il y a l'obligation de la fitra sur, sur, par rapport à cette personne là bien sûr si c'est un nouveau né ben c'est le euh, le père qui va donner pour lui comme on l'a vu précédemment par conséquent si le, si quelqu'un meurt avant ce moment là alors il n'aura pas à payer cet aumône tout comme celui qui naît ou embrasse l'islam après l'apparition de l'homme encore il ne donnera pas de zakat pourquoi parce que c'est après l'apparition de l'homme et il est recommandé aux gens de sortir cette aumône le jour de la fête, avant de se rendre au lieu de prière. Euh, comme il le mentionne, s'il la distribue avant le jour de la fête, c'est permis, même si cela est durant le mois de Ramadan. Euh, ce qui est bien également pour que le pauvre il puisse se préparer euh, et avoir de quoi se préparer pour le jour de la fête. Mais s'il la retarde de ce jour, l'obligation ne tombera pas et ils devront quand même la sortir. Euh, euh, s'ils euh, ont retardé après le jour de la fête, euh, s'ils le retardent après le jour de la fête, l'obligation ne tombera pas. Et ils devront quand même la sortir. Qu'est-ce que ça signifie L'obligation ne tombera pas. C'est-à-dire que euh, ici... On dit que les Hanafites, chez les Hanafis, nous disons que la sadaqat al-fitr n'est pas euh, euh, délimitée par un temps, n'est pas délimitée par un temps. Bien sûr, il y a des jugements. S'il la donne avant, euh, si, euh, avant le jour de la fête, non, s'il la donne Pardon, s'il la donne avant le jour de la fête ou avant la prière, alors euh, elle sera donnée de manière complète. Si elle est retardée après le jour de la fête, alors elle sera effectuée et sera également donnée, mais de manière euh, du, dans le jugement diminué. Mais quand, ce, que, ce qui ici, est voulu ici, c'est que la sonakatul fitr, comme on a dit, n'est pas délimitée par un temps. C'est-à-dire que combien même la personne donnerait cette sadaqat al-fitr après le, le jour de l'al-fitr, elle n'est pas pour autant donnée en tant que qada. Contrairement à la prière de Vohor, par exemple, la prière de Vohor est délimitée par un temps. C'est-à-dire que la personne qui a délaissé la prière de Vohor jusqu'à ce que le temps sorti, soit sorti, maintenant, s'il veut l'effectuer, il doit l'effectuer en qada. Tandis que son Fitr, si la personne l'a sortie après le, ce temps-là, c'est-à-dire le, le jour de l'Fitr, de, 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 de elle reste Ada, c'est-à-dire elle reste comme étant euh, donnée, accomplie, sans que ce soit qadha. Bien sûr, même si elle comporte du, dans le jugement une diminution par le fait qu'il l'ait retardé. Et ils devront quand même la sortir, bien sûr, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas euh, non plus remplacée par autre mmh. chose, par exemple. Par cela, on termine le chapitre de la zakah. Ensuite, il dit « kitab saum », c'est-à-dire le livre, le chapitre concernant le jeûne. « wa sallallahu wa ala Muhammad ala alihi wa wa sallam.